Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Alien Isolation. Probablement la dernière, je pense. En tout cas, ça, je la sens comme étant la dernière. Je peux me remettre droit un moment, en fait. Oh oui, utilisons le treuil alors qu'il y a tout qui pète. Ça va être une bonne idée. Quoi, je veux juste attendre? Je... oui. Quoi, qu'est-ce que je dois faire? Je vois la lumière, je la vois. C'est pas par là. De toute façon, je peux rien faire d'autre dans l'espace, là. Ah, là, il y avait une console. Putain, je l'ai pas vu. Bouton. Oh, putain. J'arrive, Verlaine! Où il est le vaisseau? Heureusement que les aliens ne peuvent pas survivre dans l'espace, en tout cas je pense pas. Ils peuvent survivre, mais pas très longtemps, je pense. D'après ce que nous a montré Alien Premier du nom. Cool! Encore des trucs à activer! Pile ce que je voulais! Y'en a. Oui, bon, je fais quoi avec ça? Je vais descendre? Ah oui. Je me dis, c'est comme ça que Dead Space aurait dû faire ses phases de l'espace. Bon, toujours en gardant la même rapidité que dans Dead Space, par contre. Mais un truc dans le genre, ça aurait été génial. Oh non! Tu parles d'un système de merde. Et il fallait quand même pas que je lise ce qui était écrit. Les aliens ils sont là. Et depuis quand vous survivez dans l'espace, vous? Coucou. Oui. Ah bah
Ah oui, merde, c'était la dernière vidéo. Oups, pour 5 minutes. J'espère que vous, le jeu, ne vous a pas violé les oreilles parce que moi, j'ai très mal. Bah, encore y avoir du gameplay, c'est pas fini. Rendez-vous au pont. Pourquoi je peux pas enlever ma tenue? Rencontrer Verlaine sur le pont. Tant mieux. On a enfin fini! On y est arrivé! Samuels, RIP. Par contre, cette fin, c'était digne d'un Aliens. Hein. Aliens. Je prononce plus Zikus. Verlaine. Ah! What the fuck? Mais c'est pas possible! Ripley est mort à l'âge de, est morte à l'âge de 66 ans! Bon, elle va être récupérée dans l'espace. Voilà! C'est bien ce que je pensais. On l'a récupérée. Bah, RIP, Simon Franco, hein. On a entendu du texte. On a entendu Miss Ripley. This is Ripley. On entend toujours Miss Ripley. Nostromo. Détruit, ok. Liam Tart. Chris le roux. Vous croyez qu'il est vraiment roux? On n'a pas droit à d'autres textes? C'est tout ce qu'il fallait entendre? C'était Miss Ripley, notre mot détruit? Ouais, ben, n'en soyez pas fiers, hein, les mecs, hein, parce que c'était pas génial. Mais Jeff, c'est celui qui était pour cet Henry Cactus, ça, non?
Vous croyez que ça, c'est juste une animation comme ça, ou c'est vraiment un truc qui est en train de charger, là? Hein? J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Le réseau me récupérera, ouais. C'est sympa la musique en soi. Ah non, attends, est-ce qu'elle a dit c'est replay? C'est la voix anglaise de replay qui parle? Les connexions, ok. Ouais, donc en fait c'était une transmission de replay ça. Du coup je me dis quand même que Marlowe il est mort comme une petite tapette hein. Petit coup de clé à molette derrière la nuque, puis c'est bon, il est mort. Alors que même moi, les autres survivants, il fallait que je leur donne bien plus de coups derrière la nuque avec ma clé à molette pour qu'ils crèvent. Rip Marlowe. Avec grosse fiotte. Vraiment très très bien la musique, n'empêche. Bon, si on faisait une petite critique du jeu maintenant. Il est très très bien. La coupe de dire, enfin la courbe de difficulté est plutôt pas mal. Cependant, elle n'est vraiment disponible qu'une fois que tu fais le jeu en normal en fait. Parce que quand tu fais le jeu en hard ou autre, il y a aucune courbe, c'est directement difficile à mort. T'arrives à peine à avancer. Ça, c'est un gros problème, je trouve. Parce que, bon, en soi, les ennemis humains, en plus, ils prennent beaucoup plus de balles que toi, t'en prends. Ça, c'est de la difficulté artificielle. Ce qui n'est pas de la vraie difficulté, c'est de la merde. L'IA de l'alien pourrait être retravaillée. Mais je pense que ça faisait partie du fait que j'étais en difficulté normale. Parce que de toute évidence, en difficulté hard, l'IA avait l'air beaucoup plus pété. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que l'IA est mauvaise de base. Et ils essaient de la faire genre bonne en cheatant en fait. Genre il y a des moments, t'as l'alien, il était loin, j'appuyais sur espace pour voir où il était. Et bam, il s'est déporté devant moi. Oh, il y en a une, elle s'appelle Bishop. Elle devait être contente de travailler sur ce jeu. Donc ouais, ça c'est un problème. Tous les objets qu'on te donne, je suis presque sûr que même en difficulté plus élevée, ils ne servent pas à grand chose. Vraiment. Peut-être que je me trompe, mais franchement, je vois pas l'utilité de la plupart des items. Les graphismes, ils sont bien, mais les cinématiques, elles sont dégueulasses. Moi, ça me pique un peu les yeux, les cinématiques, parce que j'ai l'impression que c'était filmé avec une version inférieure du jeu. Parce que quand c'était un script dans le jeu, la cinématique était géniale. Mais alors, quand c'était une cinématique préenregistrée, c'était immonde. Et du coup, je me demande, mais pourquoi faire des cinématiques préenregistrées alors que quand vous les préenregistrez pas, vous faites juste des scripts, ce qui d'ailleurs prend moins de place sur le jeu.
Eh ben, ça rendait beaucoup mieux. Donc pourquoi faire ça comme ça? Ça, c'est une décision que je ne comprends pas. L'ending, ben ouais, voilà quoi. De toute façon, si on a regardé Alien 2, on sait que Ripley ne peut pas crever. Qu'elle est morte à l'âge de 66 ans sur Terre, pendant sa retraite normale. Par contre, c'est vrai que du coup, c'est étonnant que dans Aliens, on ne mentionne pas les aventures de Amanda Ripley, là, ici. Ce qui me paraît normal, parce que ils avaient très certainement pas imaginé qu'il allait lui arriver des choses folles, dans l'espoir de retrouver sa mère. Mais quand même, c'est un peu tristounet. Qu'en soi, c'est pas plus canon que ça, ce jeu. Ce jeu, par rapport au film. Je sais pas s'il est vraiment canon, par contre. Je me demande. Par contre, ce qui me trouve le cul, c'est que Alien Colonial Marines, c'est canon. Alors que t'as un personnage qui ne peut pas survivre du tout, dans le tout dernier, par rapport au dernier. Alien. C'est pas possible qu'il ait survécu, et pourtant il a survécu. Et ça n'a aucun sens. Bon, après, ça veut juste dire que le dernier Alien n'est pas canon. D'un point de vue technique. Et franchement, j'en ai rien à foutre. Non, attends. Non, c'est dans le 3. C'est dans le 3. C'est entre le 2 et le 3 que se passe Alien Colonial Marines. Mais du coup, ça rend le 3 pas canon. Et le 3 était génial. Moi, je le trouve très très bon. Il y a des gens qui ne l'ont pas aimé à l'époque, mais en soi, vous regardez tous les films Alien maintenant, ils vaut tous les autres. Hein. Il n'y a vraiment que le dernier qui est de la merde. Donc ouais, il y a ça. Ça ruine un peu la fin, du coup. Même s'ils essaient de te faire genre, regardez, peut-être qu'elle est morte, mais en fait, ils mettent la lumière sur sa gueule pour dire, ouais, non, quand même, on va rester un petit peu logique. Donc c'est cool. L'alien était vraiment très très moche suivant les lumières en fait. Ouais, Richard Geiger. Suivant les lumières, l'alien rendait très très mal. Mais autrement, ouais, le jeu en soi est vraiment très bon. Il se finit sans trop de problèmes en difficulté normale, mais alors en difficulté trop élevée, non, faut éviter. Donc c'est tout, on a vraiment fini? Et les bonus? Non mais je m'en fous en fait. Du coup... J'aurais cru que ça m'avait remplacé la musique, ça aurait été tellement bien. Du coup, pour les prochaines vidéos, on aura l'équipage peut-être sacrifié à faire. Et dernière survivante. Je crois que ce sont des vrais mods. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est du vrai jeu et pas juste ça qu'est une autre survie. Donc on n'a rien à branler. Continue quand même. Non. D'accord. Ça, on fera aussi en novice, hein, parce que les autres difficultés, je les aime pas. Mais... Ouais, parce que novice, c'est le mode normal. Là, c'est la tâche se corse. Donc, ça veut dire que c'est plus dur. Donc, t'es censé partir de là. Et amateur, c'est amateur, tout simplement. Donc, ça, c'est facile. Difficile. Facile, normal. Difficile. Très difficile. Nightmare, tout simplement. Le mode recommandé pour jouer? Non, très clairement pas. Moi, je vous le déconseille. Vu la difficulté du mode Nightmare, moi, je conseille pas ça. C'est sûr. Parce que le jeu va juste devenir frustrant et sans vraiment vous récompenser de toute votre frustration qui va vous de toute la frustration qu'il va vous donner. Donc, je le conseille pas. Bref, dans tous les cas, nous avons terminé Alien Isolation. Je vous remercie à tous beaucoup d'avoir suivi cette série de vidéos. À la prochaine pour du coup les DLC, qui je l'espère durent pas 120 ans parce que
Je sais pas si je vais pouvoir supporter ce jeu pendant très longtemps. Parce que là, franchement, j'étais à bout de nerfs à la fin. Truc de fou. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre des likes et de partager. Et à la prochaine. Allez, bye bye. Et désolé d'avoir fait la dernière vidéo où il y a vraiment très peu de gameplay du coup. Oups.